Et bien le bonjour mes petits lamas, c'est Aurélien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, sauver le monde. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment farmer du bacon. C'est parti. N'écoute pas l'agneau. Écoute le loup. Alors forcément, avec cette nouvelle mage et toutes ces armes à néon qui débarquent, on a tous envie de les jouer, de les EP toutes, mais elles utilisent toutes des munitions à énergie, ce qui nous implique de farmer du bacon. Alors je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, les expéditions. Pensez bien à les lancer, vos expéditions, car il n'est pas rare de trouver une vingtaine ou une trentaine de bacon en récompense. Également, gardez en tête que certaines récompenses de quêtes et récompenses de missions offrent du bacon. Alors avant de lancer, je vous invite à vous mettre en privé, bien sûr, pour ne pas déranger les autres joueurs, et de vous rendre sur une map banlieue. Alors pourquoi la banlieue? Simplement parce qu'il y a toutes ces petites habitations et c'est là qu'on va trouver le plus de bacon. Alors le mieux encore, c'est de prendre un ninja, peu importe lequel, puisqu'ils se déplacent tous un peu plus vite que les autres. Et c'est parti, vous farmez toutes les maisons. Vous allez dans toutes les maisons, vous rentrez. Alors bien évidemment, les endroits les plus propices pour trouver du bacon, c'est dans la cuisine, sur la table, dans les frigos, dans le lavabo, tout ça. Vous pouvez également aller jusque dans les toilettes, hein. C'est assez connu ça d'ailleurs, dans les toilettes. Il y a du bacon, et vous farmez, vous farmez, vous farmez. Vous ne vous occupez pas du reste, vous occupez pas des mobs, vous fuyez les mobs, vous passez de maison en maison, vous faites tous les étages des maisons, et vous ouvrez tout ce qui peut être ouvrable dans une maison, que ce soit dans le garage, les caisses, donc dans la cuisine, dans la salle de bain, la table à manger, les fauteuils, les étagères, tout. Alors le bacon est vraiment une ressource assez rare sur le jeu, donc n'hésitez pas à la farmer, à quitter la mission, vous garderez votre bacon de toute façon, même si vous n'avez pas terminé l'objectif de la mission, à relancer la même mission ou une autre, ce que vous voulez, toujours en banlieue, et de farmer toutes les maisons. Sachez également que le bacon est utilisé pour les pièges de glace. Alors si vous ne connaissez pas ces pièges, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Frozen Tunnel, qui est un trap assez sympathique, à base de en glace, on permafrost les mobs pour pouvoir mieux les dégommer. Alors, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo, à regarder la petite vidéo qui s'affiche juste au-dessus sur l'écran, et à revenir regarder la suite de cette vidéo après. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous savez maintenant comment farmer au mieux le bacon. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.